Mes amis, pour moun ki anvi millionnaire bien rapide, sans gratter tête, ki te mdou département d'état américain dispose 3 millions de dollars vet koue pied poao pour n'importe moun ki ta la cause américain arrivé mette la patte sous chef gang Lamor Sanjou. Sous mouche gaspillay ak chef gang Vite l'homme et 1 million sous tête chaque nèg si la yo. C'est pas bobine fil. Département d'État bay numéro téléphone pour tout moun ki gen information ki capable mener avec arrestation Majonjon Silayo nan sak gen pouwe avec insécurité. M'bral bon plus détail nan émission sa. Et on l'autre bon, bandi Axam assassiné Fritz Dorilas ki se yon journaliste kap travay nan radio Megasta. Li gen yon émission ki l'animé. Bandi entré la kayli nan karade yo pran après ça yo mette fin nan ville journée jodi a ou kapab wè ça tout liberté presse la li vraiment menacé que ce soit par force de l'ordre que ce soit par gangs armés comment nous y moi espère que nous en forme m'espère que n'a kembe et me souhaiter gon révélation me souhaiter que gen moun nan la masse la nan classe moyenne nan ghetto yo qui prend millionnaire nan jou k'ap vini la yo. Après États-Unis d'Amérique fin mettre la main nan pat kasav mouché yon qui était tête pensante et en même temps créateur base 400 Maozo yo t'a pral prend mouché ti David Tosa zo ti David nan nou ekiboy nan terre voisine pendant misi Abdeloje qui ton on camp pour la capitale et puis gain information pour doit qui bail États-Unis premier yo aller avec lui. Et bien nouvelle là qui ça que lié. J'entendais le commencement émission c'est ça. Département d'État américain disposé 1 million de dollars pour tout nèg ça que m'te cité 3 nèg qui donc 3 millions de dollars américains qui a bolosé que m'capable dire gouvernement bien justice américaine non décider faire haïtien cadeau qui donc rete ou même pour mettre intelligence ou dehors pour faire comme ça bien rapide. États-Unis mette 1 million de dollars disponible sous tête Lamor Sanjou, Gaspillay qui c'est deuxième chef gang et 400 Maozo ak Vite l'homme parce que yo te impliqué dans kidnapping qui te fait sous 16 réfugiés yo dans mois octobre 2021 qui sont passé là dans pays d'Haïti. C'est vrai gen des gros autobré nan base 400 Maozo ke ou déjà arrêté nan quatre dossier ça mais département d'état américain trouvé c'est pas encore fini c'est pas suffisant yo mandé avec population haïtienne nan depuis ou gen chance pour ta faire maré youn nan nek sa suite avec information ko dispose par FBI pour ta prendre nek sa yo ou fait 1 million de dollars vet kou elimo pas mandé bon Dieu ta faire arrêter tous les trois ou un contre millionnaire qui soit petit petite soyette. En tout cas, j'aime te dire c'est pas bobine fil, gien numéro téléphone qui vraiment disponible mes chers amis pour permettre nèg sa yo joindre arrestation yo. Numéro téléphone nan très facile. M'a prend sam pou m'ba roule et s'il le faut kouri derrière plumou ou même qui habite dans zone côté nous connaît nèg sa yo qu'on a bolosé pour prendre numéro si là ou capable voyer SMS relais. Bon, tellement facilité la tâche, même WhatsApp ou ka, on bon WhatsApp moun yo. A dit écrit à travers WhatsApp. Qui numéro quel lié? Mettez plus un douvan 305 495 09 56. Bon, m'reba ou l'encore. Mettez plus un douvan 305 495 09 56. C'est numéro ça. Gouvernement même capable de justice américaine nan mette nan la ri. Li di tout haïtien qui intelligent ta envie vin millionnaire. Kembe numéro téléphone si là parce que depuis nous bay information pour mener à arrestation et condamnation trois tours ça ben youn la dan yo ou ap gen chance fè 1 million dollars américain m pa pense États-Unis d'Amérique kanan bobine fil dem dou ça mon disposer numéro et au même bay on link la tout oui ou ka rentrer la dan c'est m pa parler anglais bien non m ap li le konsa type qui c'est tips.fbi.gov G-O-V. Rentrez sous link ça n'importe monde qui gagne bon genre information bon genre données pour faciliter
FBI rentre vin pran tou sa yo ou millionnaire. Kèt monsieur comme pa gòn ti fanm nim nan zone sa yo lak ta on li ta millionnaire nan fanmi an monsieur. Si m konnen tou m si m dégag si m té kapab m dabay de 3 kout men mwen si m té ka fè 1 million. En tout cas, suite avec information ça, gen an pil zanmi k'ap pose question. Gen an pil zanmi k'ap di pou ki sa pa gen l'argent ki té dispose sou tèt mouché Zoti David. Quant à pour yon, pas besoin parler de lui parce que yon il était déjà en bas contrôle la police. Même besoin parler de monsieur, mais en pile on a demandé pour qui ça toute l'argent ça, est-ce que c'est pas une diversion, c'est pas un macacri? Bon, m'pa gen élément d'information ça, m'pa ka faire le point sur ça, mais c'est bagaille que me connaît, est-ce que département américain pas connaît qui côté nek ça oui? Mais question que m'a posé, est-ce que si FBI t'a besoin dans mort 100 jours, il va pas entrer là dans 10 000 so, fouiller tout quoi des bouquets pour joindre la mort sans jour et ainsi que mouche gaspillage. Quand t'as profité l'homme, c'est lui-même, les sont bêtes, c'est un bago qui nous côté vrai, qui nous loge, on t'a d'elle dans ton sel, on t'a d'elle 60, on t'a d'elle tapage, on t'a d'elle autant d'elle, mais la soude frère, mais qu'on y a mis la bolose dans le caradi. On pense si FBI t'a besoin de ça ou par contre côté bouillon joignio, mes amis pas dit c'est vrai, pas vrai, faire million non, mais quand même, si analyse ça vraiment bon, pour nous faire l'ensemble, pour nous accoucher ou même pour dire ce qu'on pense. Commenter à la pourri, soit penser JRP, Gilbert de Ronville, en pile zanmi, Channel Haïti Media, qui ça ne pensait pas là avec moi. Parce que on a bail qui est important, que mon cap dit bail FBI information pour permettre que arrêter nek sa yo. Est-ce que moun sa qui vient bail information, est-ce qu'il est capable de dormir en paix? Dieu le sait, m'pa konnen. Est-ce que vous comprenez? Mais ça qui est important, information baoul. Parce que toute question ça va venir, il n'y a pas d'éléments de réponse. Si je suis vraiment content pour me répondre, mais pas me dire tout. Ce n'est pas seul taux ça ou non, c'est 3 taux seulement. Vous disposez de 3 millions de dollars, qui donc 1 million pour chaque. Mais à part de ça, il y a que la police et FBI a cherché tout. Les États-Unis annoncent qu'ils ont cherché plusieurs autres chefs gang, tant que Tilapli, tant que Mano et Jean-Renal Dolcin. Qui impliquait au même tout dans crime qui était fait sous plusieurs citoyens américains dans le pays d'Haïti pendant l'année qui s'est passé à là. Est-ce que vous comprenez? A dit, c'est pas celle gros auto qui a pris un frappe dans les États-Unis là, non? A dit, ouais, mes amis, 3 millions, mes amis, l'aime tenir comme ça, tête, moi, choc, ouais, vel, on t'a fait l'argent, mais on n'a pas de moyens pour m'a fait. En tout cas, mes chers amis, souvlez, dégagez au coup et mettez Jean-Jacques pour faire ça comme ça. Et m'a dit ça clair. C'est le secrétaire de département Anthony Blinken qui a annoncé ça jeudi à même. Et comme ça, c'est dans l'optique kidnapping qui était fait sous 16 Américains plus un grand Canadien qui était au total 17 personnes qui étaient dans main l'amour sans jour et l'amour sans jour était réclamé 1 million de dollars sous tête yo chaque. Eh bien, je vous dis, même le boss sans jour ça gagne 1 million de dollars sous tête li pour moun qui t'a fait yo maré mouché couer crabe. Ou capable de dire ça, comment faire bandit à lui cher comme ça dans le pays d'Haïti? Bon, ça c'est pour blaguer. En tout cas, information c'est ça qui est lié, mes chers amis. Débougez. Bon, si vous ou pas écrit bien, ou pas dans roman, ou carré l'aime depuis bonne information, m'a contacté au bon FBI, m'a information, puis m'a partagé comme là avant, au moment, m'a bon m'a pris 60%. En tout cas, l'autre détail, l'autre information, mes chers amis, forme dit nous, liberté presse la journée aujourd'hui. Nous avons fait propre constat nous pour nous voir qu'elle est vraiment menacée. Il y a un journaliste qui travaille dans la radio Megastar qui porte un frites Dorilas, qui mourit samedi qui s'est passé à la dans la commune Tabac, plus précisément Karadé. Monsieur mourit dans la Kaili même. Comprenez bien, la Kaili, parce que je ne vais pas rappeler nous, frites Dorilas, qui a une émission qu'elle a animée avec l'autre confrère qui porte un le droit. La loi et la justice. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, chaque samedi, émission ça te qu'on passe. Selon information que me dispose là, mais c'est ça, yo rentre en dans la caille journaliste là, yal prend, yo tuel par des individus non identifiés très armés. Armés jou kodan, Jean Grand Mounio capable d'il. Ça, m'a dit clair. Jounen jodi a nous constater que yo vle rapper micro dans bouche tout journaliste qui a fait bon travail. Mais journaliste qui a compris qui a soutenu gang qui a dit un tel pas gang nèg a tout le monde a fait kidnapper dit non il pas gang lié non c'est agent comprendre de développement c'est nèg qui permettre communauté le grandir
moun sa yo ou pa jam subi attaque, mais c'est moun qui toujours a dénoncé mauvaise gouvernance, moun qui toujours a dénoncé phénomène gangsterisation, c'est eux même qui toujours a victime. M'a mandé avec plusieurs organisations qui pour comprendre qui a font façon là pour prôner la presse haïtienne sous que kon, sinon yo ka font façon là pour terrer presse haïtienne. Moi m'a dit ça tout autant. Réseaux sociaux existent, voix sont pas atteignables. On pas atteignables. Quand plus le monde cap dit attendre grand chose là ceci cela, moi-même dit ça déjà, me porte sous dos, on va cap dire ou pile tête. Quand on une tête ou pile ya. Quand ta bonne information m'a baoul Jean li a kit ni fort bien, kit ni fort mal parce que wall pam, c'est bon information, c'est pas pour sans raison, gen en pile zami qui relè voix information. Ou même DCPJ arrêté monsieur ya. Attendez. Le DCPJ a une bonne raison pour le mener à l'action. Mais il y a des gens pour le faire ça. La loi dit, mais comment pour le faire? Et c'est ça que je ne comprends pas. À partir du moment où le DCPJ n'a pas respecté le procédure, c'est dans l'intérêt de mettre au Benson derrière lui le faire. Ok, est-ce que la loi il y a qu'à tout caser, monsieur. Faut une clé sous ça. Ou a parlé de la loi là? Non, ou a parlé de la loi là? Tale. Go menti n'pa bay tête nou. Jodi a. Bon prend engagement ça moi même pour me dire. Ouais, Jean Haïti là, il y a absolument rien comme procédure pas gagné. Ça va vous dire texte de loi va exister. Non, m'pa dit pas exister. Moi là dans l'application, d'ailleurs pas gagné. En Haïti, il y a absolument rien. Gardez pas fait mais non. Pas fait rester là. Bon prend Wendy. Pas fait mais non rester là avec moi. Wendy ou avec moi là. Si me perdu Wendy. Et Wendy me Gabrielo. Et parce que quand la situation est difficile, on évoque la loi. Même si vous n'avez qui ont tient plus dérangé. Bernard m'a pont à l'heure. Quand la situation est extrêmement difficile, on évoque la loi. Bernard m'a pour tout à l'heure. Allô? Oui, Wendy tout à l'heure. Les situations extrêmement difficiles, on a évoqué la loi et les procédures. Maintenant, ça n'y est là, je veux dire. Monsieur, bon, moi-même, pas connais, non? Moi, pas, on peut me défoncer l'année. Et l'argent fait que je fais choix de travailler plutôt que continuer avec la question ça. Mais Wendy Fell, c'est consultant à l'eau, Henri. Wendy, comment est-ce? Bonsoir Gagné, bonsoir tout le monde qui a fait des émissions. Salut Jean-Claude Junior Laval, comme vous êtes qui est intervenu tout à l'heure. Mon cher, son plaisir pour me participer dans l'émission avec vous. Et ma content font bouche à moi. En aller. Parce que là oui, même nous sommes profanes, même j'en pile l'autre monde. Gagné un avocat qui est membre cabinet ministre justice là. Bertou Dossé, qui fait influence par passer son décision que la justice te prend. Monsieur le commissaire gouvernement, etc. Lui-même t'a demandé ministre. D'ailleurs, son mec est grave. Bon, c'est où là ce monsieur ministre? Ça m'a dit, mais nouvelle, nous avons fonctionnement. Monsieur le côté ministre, dit ministre, mon cher libéré Negio, on libéré Negio, moi. Ministre dit, monsieur, non. Bon, Negio a affaire personnel, il a des amis, il a des joueurs, il a parlé, fâché, etc. Ok? Wendy, mais ça va galérer. N'a pas coûté au cognac. Très bien. Gagné, avant que nous entrions dans le dossier de Maître Robinson, non, on essayait de prendre la selon une approche globale. Eh bien. Parce que l'avocat dans le pays d'Haïti a baillé tête au menti depuis quelques années là dans le pays d'Haïti. Et par ricochet, il a baillé nous-mêmes, population, un pile menti. Pour justifier de bêtises qu'il a fait, c'est comme si Moutadou, il y a un avocat dans le pays d'Haïti, son Louis-Jean Bourget-Collier, lui bénéficier d'une sorte d'immunité que pièce moun dans le pays n'a pas bénéficié. Mm-hmm. Pour le clair, d'emblée, il y a tout le monde qui a tendu là. Tendu, ça m'a dit, et avocat qui a parlé là avant moi, dame, elle tendait, pas de pièce sec de loi dans le pays d'Haïti qui dit que avocat gagne immunité dans le pays. Par des pièces, constitution, décret 1979 qui réglemente la profession avocat dans le pays, par des gens qui baillent un avocat une sorte d'immunité qui empêchait que la justice
tendel et éventuellement arrêter le condamner si trois avocats lui commettent un crime. OK. Ça je supposé clair pour tout le monde. Et avocat ça qui parle là, dans le ils font différence entre l'immunité et inviolabilité et privilège de juridiction. C'est trois bagailles qui sont extrêmement importants dans le débat que l'on fait. Avocat n'a pas ni bien l'immunité, il pas ni bénéficier de privilège de juridiction dans le cadre criminel. Inviolabilité, avocat capable de parler de inviolabilité dans la mesure où, par exemple, dans le cadre de sa profession, dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice même. Dans l'exercice de sa fonction, dans l'exercice de sa profession d'avocat, cabinet inviolable. La police, pas quand entrer dans le cabinet avocat là, al fouiller, al faire des bagailles, sans que le pas respecter son feu de protection. On y a ma pour retourner dans le cadre du dossier Robertson Berlua. Nous faisons plusieurs posts sur Facebook côté m'a dénoncé, notamment notre note par au Port-au-Prince publié, où dit que yo t'es supposé demander autorisation avant que yo arrêté Maître Robertson Berlua. C'est la première fois, non? Dernièrement, année passée, Maître Danton Léger, c'est avec c'est râler manchette là dans Miragoane depuis référendum fait la poule la craser et puis ça pas carré parce que c'est avocat qui demande autorisation bah ouais avant il arrête là les gens disent ça texte de loi il râler derrière yo râler décret 1979 là qui réglemente les questions avocat et plus précisément il râler 3 articles ou bien 2 articles yo râler article 53 décret là. Et puis, il y aura l'article 66 des présents. Qui a dit 53 derrière? Article 53 dit tout ça. Nulle contrainte, en dehors des cas prévus par la loi, ne peut être exercée sur sa personne à l'occasion de l'exercice de sa profession. Il précise elle. Notamment de l'exécution des actes de son ministère. Est-ce que vous entendez? Eh bien. Nulle contrainte, avocat. L'impasse posée par les pièces qui sont capables d'inquiéter lorsque, par exemple, un jugement qu'a fait, l'innocent l'audience là, la fait plaidoirie, la parler, la défendre client. Par exemple, à l'audience, sa parole est libre, avocat capable de dire n'importe parole pour le défendre client. S'il dit une parole comme le gouvernement pas d'accord avec l'impasse, le gouvernement pas capable de l'arrêter à l'occasion. Très bien, très bien. Parce que l'impasse. Exercice fonctionne. Ok. Exactement. Le dans le plus loin, dans l'article 66 que nous avons parlé, qui dans l'article 66 l'a dit? L'article 66 l'a dit, le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du gouvernement, ou sur la plainte de toute personne intéressée, peut convoquer le conseil de discipline pour lui soumettre tout fait reproché à l'avocat. Le conseil, après enquête, statuera préalablement sur la valeur ou l'importance du cas, à savoir s'il y a lieu ou non de prononcer contre l'avocat. S'il n'y a pas lieu à poursuivre, le bâtonnier avertit le plaignant. Si l'affaire lui avait été signalée par le commissaire du gouvernement, il avise ce dernier. Dans le cas contraire, le conseil de discipline procède à l'instruction de l'affaire. Là, m'li à 66, la bombe, elle va comprendre les gens. Parce que ou pas qu'à détacher l'article 66 là de ensemble de l'autre article qui trouvé dans le même chapitre là. Article 66 là, guerrier Henri, à tout le monde qui a attendu là, l'y trouvé dans un chapitre 7 d'un décret là, qui titrait de la discipline de l'ordre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire article 66 là, l'y fait partie de un ensemble d'articles qui ont rapport avec une faute administrative que un avocat t'a commettre côté avocat, lui violer les règlements de l'ordre là, lui violer lui commettre des manquements à la probité, lui violer règles déontologiques médias. Là où est ou en matière disciplinaire et même article 66 à la jour, le conseil de discipline d'abord. Si je me lis article 63, 64, 65, avant de dire ça, je vois moins de qui j'aime parler. Très bien. Puis, par exemple, à l'audience,
à l'audience qui avocat, ça, son bagage extrêmement grave, ça entre dans le cadre pour disciplinaire et le ça, soit bâtonnier, soit complètement capable de porter plainte dans l'autre là pour que vous capable de prendre sanction contre l'individu. Maintenant, là, on parle de plaignant. Ma bon cas, un avocat par exemple qui a défendu un client. Et puis le prend comme client, il n'a pas jamais fait sa client. Là, on est capable de considérer si le client pas satisfait et que le client a porté plainte pour lui. Dans le baroua. Dans le baroua, le client m'a demandé pour le baroua et pour une sanction disciplinaire contre l'avocat, etc. Maintenant, notre décret, notre article que nous avons là-haut, pas de pitié à ce côté. Je dis que l'avocat, lui bénéficier d'une sorte d'immunité et en matière criminelle, si toutefois avocat a commis un crime, pour que la justice agisse contre lui, il faut qu'il joigne une autorisation préalable de ce. Oui, c'est un exercice fonctionnel. Mais il n'y a pas d'accord l'autre gens. Wendy, il n'y a pas l'autre gens. Il y a bon des ordres. Comment on veut qu'on est un avocat et qu'on marche faire tout zac et puis qu'on y a pour chaque bagage, c'est un barreau. Non. C'est un exercice fonctionnel pour lui, justement. Et ça fait un 10 ans bien ça. Si avocat a fait tel, il n'y a pas besoin d'un barreau. Parce que ce n'est pas un exercice fonctionnel. Ou son citoyen, à part entière, ordinaire, même à tout le monde. Son profession, seulement qu'on gagne. Mais, excusez-moi, la loi protège la profession, là, de fait. Même si la loi protège la profession et du journaliste. C'est normal. Exactement. Vous comprenez? Mais les limites là. Les limites là, elles parlent plus loin que ça. Exactement. Nous, en matière disciplinaire. Et pas ça de dire là, il n'y a pas une opinion. C'est comme si Edouard Opin, ou seulement parce que c'est article là. On regarde l'article 62, qui est toujours dans le même chapitre, côté 66 là, trouvé. L'article 62 a dit toute infraction aux règles professionnelles et aux règlements de l'ordre, tout manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires suivantes. L'avertissement, le blâme, la suspension, la radiation du tableau de l'ordre, etc. etc. Et qui est-ce qui a dit qu'après des trois ans, c'est le conseil de discipline. C'est le oui, c'est le bail qui est lié avec profession. Ça veut dire, mais, à faire comme si marché bat le monde. Et puis, ok, vous êtes dans le Kounia. Vous vivez en France, ou suivez avec un pile intérêt la justice française. Et ça fait que vous êtes à l'école important. C'est pas comme si fâché parce que vous avez un bon conseil. Gade Wendy qui quitte le pays à qui allait étudier la France, mais résultat. D'où ça veut dire, lorsque vous avez ça, ou quitter Haïti ou à l'on pays, côté que formation gratuite, côté que vous avez accès à l'éducation, mon cher, à l'école. Moi, je suis toujours un jeune garçon, jeune femme conseille ça, fâché ou pas, parce que moi-même, j'ai besoin de tout. Regarde qui j'aime une consultation là. Je n'ai pas une petite consultation. Mais faut qu'on aller l'école, c'est très important. Ou vivre en France, ou garder comment le pays a fonctionné. Est-ce que comme si ou pas trouver que là, l'on t'y manque éthique, dis-moi, on peut peut-être mal comprendre, on peut passer même c'est logique seulement, on est qui a un cabinet d'avocat, qui a un ensemble de clients, et puis les mêmes cabinets ont ministre. Comment en France, par exemple, tu as un bagage comme ça? Ah, mon Dieu. C'est extrêmement grave, à bien poursuivre, conflit d'intérêts, hein, trafic d'influence, corruption, tout ça. Il n'est pas possible, pas besoin d'intergiversité. Après, exemple, Éric Dupond-Moretti, qui est actuel ministre justice pays de la France. Actuellement, là, il y a des procédures contre un ministre justice d'Haïti. Nous perdons Wendy Bagre. Parce que pas tellement de gros influence là-dedans. Vous comprenez? Il tellement de gros influence. Parce que nous avons seulement nommé. Ça va la même pour un ministre. Wendy, ça va la même pour un ministre justice. Oui? Imagine, on est quitté ministre justice. Il est nommé un bon substitut commissaire gouvernement. Bon, normalement, en principe, depuis que nous avons quitté ministère justice, il va supposé tourner dans le cabinet. Non? Parce que. Imagine, on est nommé un bon substitut commissaire gouvernement. Le ministre fin ministre et puis le retourne dans le cabinet. Mais mon idée non mais au gédé redevance automatique envers lui. C'est logique. Par contre tu comprends non? Depuis qu'il a quitté le ministère là comme ministre, il a supposé tout faire mes carrières comme avocat oui. Parce que il braguait quand même des conflits. Puisque elle était nommée Mounio. C'est parce que son pays était en bas nous pas réfléchir sur rien. Malheureusement qui fait tomber là moi même depuis bas elle arrivait me dit Mounio, yo pas arrêté Robinson Pierre lui, c'est pas l'avocat.
C'est on d'ailleurs, ministre Fomba qui est intéressant, ministre révoqué monsieur. Ministre révoqué monsieur avant de dire, ministre révoqué monsieur. Parce que la décision prise par le fameux Robinson, lui, c'est pas avocat qui prend. Et les avocats n'ont pas voulu entendre ça eux-mêmes. Je vais vous dire tout à l'heure, pendant que vous parlez de la France, là, je vais vous dire que c'est ma première exemple, Éric Dupond-Moretti, qui est actuel. C'est actuel ministre de justice français. Est-ce qu'on est actuellement qu'il y a des procédures contre monsieur? Il y a des procédures contre monsieur là parce que tout simplement, il a estimé, par exemple, l'aile des avocats, il n'est pas communiste, l'été avocat, c'est des dossiers qui t'a réglé, il y a des magistrats qui sont impliqués dans le dossier, qui t'a prêté dossier ça. Là, monsieur vient de ministre de justice. Monsieur prend des décisions contre le magistrat. Il a estimé que c'est comme si monsieur n'a pas gagné personnel. Oui, son règlement de compte. Et puis rapidement, il a mis un examen. Je dis qu'il y a plusieurs procédures contre lui. Voilà. Alors, pour nous retourner sur le dossier Robin Zonza, il y a trafic d'influence. Où est trafic d'influence? Où est corruption? Automatique. Nous avons un avocat, Gary qui a dit, mais on n'a pas arrêté monsieur comme ça parce que le commissaire, même s'il a fait demande la commissaire gouvernement connaît, il n'a pas le droit d'exécuter un ordre manifestement illégal, etc. Mais moi, je réponds à l'avocat pour me dire, ouais, non, mime, en matière de corruption, bon, bah, il y a les pactes de corruption. Dès que le pacte de corruption existe, l'infraction est consommée. Que monsieur t'ait fait demande le commissaire gouvernement t'ait accepté ou pas pour le libérer, nous n'avons pas pays sérieux qu'à poursuivre monsieur. Justement. Qu'à poursuivre lui parce que en tant que conseiller, yon ministre de justice, il y a autorité, il y a influence, il servit avec influence ça justement pour joindre une décision qui en faveur le mon commissaire gouvernement. Il va correct. Ça veut dire. Vous savez, n'est-ce pas fait droit, et puis tic-tic-tac, autant de yap par les forts, barou à sous une note, juste pour être capable. Pour protéger tête. Voilà. Pour protéger tête. Moi, il y a quand même dit, la justice dans le pays d'Haïti, son véritable association criminelle, et pour libérer le pays là, le jour n'a pas fait pays tout bon. Premier bagage pour nous faire, c'est réformer la question de justice là, réouel, complètement, parce que là, avec justice là, Wendy Fell, merci beaucoup pour consultation hein? Et merci et puis on est une belle audience. Moi c'est monter m'a monté, ça veut dire coller ma voix parce que moi 400 000 monde cap couteau etc. Moi même seulement à titre 13 000 monde, ça veut dire pas que problème papa. Bon audience, bon espace Wendy. Bon bagaille. Merci à bientôt. Yeah. Et nous avons l'autre ami en ligne pour reprendre tout très rapidement. Allô, dernier monde après parce qu'il faut entrer dans le dossier et douane Port-au-Prince. Allô, bonsoir Gary Henry. Bonsoir. Bonsoir à tout auditeur et émission Allô Henry. C'est un privilège pour moi pour pouvoir participer dans cette belle émission ça. Merci. Moi j'aime moins féliciter pour courage pour l'amour que vous gagnez pour pays ça. Merci. Parce que risque moi ouais apprend là mon cher c'est un gros risque lié parce que en pile nèg pas gagne courage que vous gagnez. Okay. Merci encore parce que seulement remercie Mme Gabarou parce que je suis beaucoup capable de supporter l'émission. Hein? Et parce que il y a un quotidien difficile. Même si souhaiter que bon Dieu passe avec, je suis capable de supporter l'émission pour le travail que vous avez fait. Bon bagaille, merci, ça fait plaisir. On continue. Ok. Monsieur, concernant bagaille avocat dans le pays d'Haïti, avec juge haïtien, bagaille ça, je ne sais pas non que je suis capable de parler. Parce que si Haïti n'a été installé là, premièrement, c'est juge avec avocat qui cause. Okay. Parce que dans tout pays sur la terre, justice là, c'est lui-même qui est fort. C'est lui-même qui peut bailler le ton. Parce que quel que soit nègre qui vit dans un pays, la justice, c'est lui-même qui est capable de faire nègre respecter la loi. Très bien. Mais le n'a pas gardé en Haïti, comment que avocat fait ça, vous voulez. Et juge yo fait ça yo vle, yo libéré gang Jean yo vle, et
l'un gâté en 2016 là travail Jean Danton Léger fait gang que nous gagnons dans pays là faut que nous remercions Jean Danton Léger parce que monsieur t'a libéré puis faut gang que yo t'ai arrêté depuis sous Préval sous Matéli li libéré yo sous base prisonnier a mourir chaque jour la chanter enterrement pendant ce temps l'a libéré des gangs dangereux dans pays et là on va regarder où t'es gagné André Michel qui t'a libéré et qui t'a plaidé pour gang tout ou vient joindre Caleb Jean-Baptiste ou vient joindre Anel Rémy qui c'est avocat vite l'homme yon gang yon kidnappé que tout le monde connaît ouais c'est nèg sa yo cap dou que nèg sa c'est prisonnier politique que t'es tout bandit ben c'est en Haïti. Journellement que nous décidons de faire pays, nous avons mis côté pour manier. C'est la justice. C'est l'empathie justice. Là. Ça, c'est clair. Parce que, il y a. Et le, nous sommes dans des amis à parler de Akaye, ça a passé Akaye. Molière, pas même un avocat, Molière Lovis, pas même un avocat guerrier. Imaginez, si nous avons été avocat, au moins, on est capable de dire que, bon, c'est un professionnel, peut-être, mais il n'est pas même avocat, il faut le pouvoir de marcher, voler tout le monde, et puis on ne peut pas réclamer, on ne peut pas faire rien. N'importe quoi, barreau, hors des avocats de Port-au-Prince, c'est plus qu'une association de gangs. Et il y a quelques avocats qui sont dans barreau, oui. Je n'ai pas un seul grand nom. Patrick Laurent. Je n'ai jamais entendu de nom, monsieur. Non, c'est des dossiers louches. Aucun maître d'Oval, il n'y a pas net encore. Il n'y a pas de tuer pour qu'il s'apporte qu'elle t'apprend. Mettez l'autre dans le barreau, hors des avocats de Port-au-Prince, il n'y a pas de tuer pour ça. Et yon se des avocats sans papier, yon se des avocats. Bon, moi, je ne parle pas de avocat parce que je n'ai jamais passé dans une école de droit ni dans une école juridique. C'est que, comme Haïti, tout le monde possible, dans la République Port-au-Prince, on ne fait pas de papier, gens que vous venez. Ou bien, les gens, vous êtes avocat qui est inscrit dans une école de droit, il n'y a jamais chita sous l'école, même un jour. L'acheter diplôme, l'acheter. Et bien, soutenance lui, et pourtant, des nègres là, li avocat. Là, nous gardons Robinson Pierre-Louis, yon nègre qui était déjà dans le barreau de Port-au-Prince, et puis, tout le jour, des manifestations dans le président Jovenel pas bon, président Jovenel pas pareil, mettez avocat de yon, mettez volé, et c'est un nègre qui est toujours à prendre des positions, qui a fait des interventions. Exactement, nèg qui pichoué, elle-même qui pi criminel, qui pi gang. Ou pas songer André Michel. André Michel te dit, son avocat qui a parlé là, c'est pour nous couper route, bloquer route, craser machine. Son avocat qui a parlé là, ça lui dit, avocat lui au-dessus de la loi. Il a fait ça. Qui, son mec, on entendait yon soi-disant avocat qui se parlait avant Wendy là, qui t'a dit que, oh, il faut que des CPJ libéré parce que les familles n'ont pas de respect. Non, ou konn gade avocat kan pèche prisonnier sa ou sorti pou fè l'argent. Monsieur, profession sa, son bay nèg yo pran yo roule, yo fè tout kalite vie combine la dan vie magouille. Ou poukò ou gon avocat la checke moun kan fas la kontou encore. Tellement gon problème éthique, monsieur, moi même piga aucun nèg vin di, moi même jodi an son abselier fò lò bèl la pété. Fò chodi a chaviron bò. Pour que manger à les rebrasser parce que le pas possible pas d'accord les balades difficiles n'est pas venu aller la loi tandis que dans ça n'est là tout n'est dans vagabondage tout n'est dans des autres bogats gars ça on est fait. Imaginez, je vais expliquer, gain on substitue commissaire gouvernement qui trouve dans CEMAC, monsieur le souverain vérissien. La police a arrêté un gros bandit qui est le frinote chlo. Dossier va même arriver dans cabinet non commissaire gouvernement libéré. Substitut à libéré. Bon Beto, met kan son notaryou, ok? Et imagine aujourd'hui, a un mandat geta, yo geta met monsieur.
Et ça que me dit Beto, ou kon système nan, dégage ou, met bring sou ou, pour commencer à arrêter vagabond. Ou kon système nan, prends responsabilité. Parce que je dis là, moi-même, je me dis un petit bagay. Excusez auditeur, sou m pour tout le apou, sou. Parce que dans sa nye la, attendez, dans sa nye la jodi, nous pas kana jouet. Puis gagne, vin pas de la loi, parce que c'est pas aucun loi dans le pays d'Haïti la jodi là. On son pays kap soufri. Son bon citoyen qui a souffri, nèg a fait des ordres, rentré à zam, fait toute l'obéi. Kounya la jodi, on va venir ba une explication quelconque sous ba la loi, la justice. Et moi, d'ailleurs, ouais, et moi apprendre que.